Merci beaucoup, c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai le plaisir de vous accueillir pour la sixième année. Ça fait 6 ans qu'on fait les vœux à la population, ce qui n'existait pas avant. Je parle un peu en attendant que mes adjoints me rejoignent. Vous l'avez vu, cette année, c'est ça, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Il n'y a pas d'écran, mais j'ai pris une belle brochette avec moi quand même, qui représente l'ensemble des élus qui bossent pour vous. Je vous le disais, ce n'est pas une année tout à fait comme les autres. D'ailleurs, j'ai des bonnes et des mauvaises nouvelles. Pour vous, c'est une bonne nouvelle, ça va être beaucoup plus court. Pour moi, c'est un peu frustrant. Mais bon, peut-être qu'un jour, je me rattraperai. Ça va être très court parce qu'on a reçu encore un mail, mais je le savais, les services avaient mis en garde. On a reçu un mail il y a 10h33 encore ce matin en disant « Vos vœux en période électorale ». Je regarde, cher Pascal, je ne t'avais pas vu, mais t'inquiète pas, j'ai pensé à toi après. « Vos vœux en période électorale sont soumis à certaines règles. Vous avez le droit de dire ce que vous voulez, sauf, je cite, « les élections passées et futures, les projets passés ou les réalisations, les projets à venir, la vie de vos habitants, vous n'avez pas le droit de changer la cérémonie, j'ai quand même changé quelque chose en 6 ans, j'ai gagné ça, d'ailleurs que je vais mettre. Moi aussi je vieillis, je vieillis avec vous. » En gros, on ne peut pas dire grand-chose. Alors j'ai une autre mauvaise nouvelle. Alors tous ceux qui sont là, on va déjà réussir un exploit extraordinaire, c'est d'avoir trouvé une place de parking. On est d'accord. Vous avez bien certains qui sont garés, certainement à la fenêtre. La mauvaise nouvelle, c'est pour les gens qui sont assis devant moi. Vous avez réussi à choper une chaise. Ça, c'est un exploit. Mais ça sert à rien, ça va être court cette année. Ça sert à rien. Les gagnants de cette année, c'est tous ceux qui sont debout au buffet. Ils sont 30, vous êtes 700 par là. Ils sont 30 par là, c'est eux les grands gagnants de la soirée. Non, ça va être court. Tous ceux qui ne me connaissent pas, et c'est pour ça que je citais Pascal Martin, notre sénateur, ancien président du département, qui nous fait l'honneur de venir, et qui découvre qu'il y a des vœux à la population dans les communes de 10 000 habitants. Vous pouvez faire bon effet, hein, vraiment, parce que... Il va vite comprendre, enfin, j'espère, vous savez, quand je vous dis qu'il y a 4 heures de discours, généralement ça dure entre 47 et 49 minutes. Donc, quand il viendra me voir une prochaine fois, il ne faudra pas qu'il s'attende quand je dis que ça dure un quart d'heure, que ça dure vraiment un quart d'heure. Ça, ça n'existe pas. Sauf cette année. Donc, assure-toi que c'est exceptionnel. Pareil, mes dames là-bas, avec qui on a fait des petites photos d'habitude, elles se racontent leurs vacances, avant de vous servir, elles prennent le temps à mettre les plats. Là, c'est pas la peine, vous mettez tout de suite les toasts au four et vous débouchez les bouteilles. Je plaisante. Je plaisante parce que j'avais juste envie que toutes ces personnes qui vont vous servir ce soir, c'est grâce à elles que vous avez passé une bonne soirée. C'est grâce au service. Avancez, je ne sais pas qui, mais avancez. C'est grâce, voilà, il y a une chaîne. C'est grâce aux services qui ont décoré la salle de manière sobre, comme a prévu le mail de 10h33, mais de manière magnifique. C'est grâce à eux que vous passerez une bonne soirée et que moi j'ai passé un super mandat. Je voudrais juste qu'on les applaudisse pour la salle. Capable de le faire, on m'a écrit un discours digne de l'ENA. Alors j'aurais pu vous le servir, ça dit rien, ça dit que tout va bien, qu'il faut faire mal. Et puis moi je me suis dit que j'allais changer, je peux quand même essayer de biaiser les choses en me disant quand parlons de nous, je ne parlerai pas de vous, mais j'ai quand même parlé de ce qu'est pour moi une commune idéale. Une commune où il fait bon vivre, où on a envie d'apprendre, de travailler, de s'épanouir, à tous âges. Pour moi, une commune idéale, elle doit avoir plusieurs qualités. Elle doit tout d'abord être humaine. Une commune doit remettre les femmes et les hommes au cœur de l'action publique, réduire les écarts entre les personnes, recréer du lien social. C'est essentiel. Et puis j'ajouterais peut-être que l'administratif doit laisser place à une forme de bon sens et pragmatisme. Ça, pour moi, c'est une commune idéale. Elle doit être aussi énergique. Elle doit pouvoir être vivante, permettre à tous de s'épanouir dans des activités variées, adaptées à tous les âges, à toutes les bourses et à toutes les sensibilités. Ça me paraît essentiel. Elle doit aussi offrir, dans son énergie, la possibilité de créer, d'entreprendre, d'essayer, d'accompagner tous ceux qui le souhaitent. Ça, c'est une commune énergique. Une commune, elle doit être aussi responsable. C'est essentiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un budget maîtrisé, qui permet aussi d'avoir des impôts vertueux et raisonnables, des tarifs de services publics adaptés,
mais aussi d'assurer la sécurité des biens et des personnes. Et enfin, peut-être l'essentiel, j'aurais dû commencer par là, une commune responsable doit s'occuper de la transition écologique et énergétique et permettre, non pas que la collectivité le fasse en son coin, mais que tous les citoyens puissent agir en la matière. Elle doit enfin, quatrième et dernière grande qualité, être séduisante, la commune idéale, un peu sexy. On a envie, elle rayonne, elle plaît, elle attire. Mais elle attire les populations de passage, elle attire les entreprises, les touristes. On a envie de s'y installer, on a envie d'y revenir. On a envie d'en parler, d'en être fière. Ça, c'est une commune idéale. J'ai pas dit que c'était la nôtre. Faut pas qu'on me targue de quoi que ce soit. J'ai dit que c'était philosophiquement la commune idéale. Mais cette commune, elle évolue pas toute seule. Elle évolue avec, je salue tous mes collègues élus qui sont là présents, ben les voisins, les communes alentours. Et en matière d'intérêt général et de services publics, il n'y a pas de frontières. On doit tous œuvrer avec les communes et les intercommunalités dans un périmètre de territoire qu'on a défini, en se mariant ou pas, en faisant des ententes ou pas, mais en tout cas, en pouvant actionner des services publics, c'est intéressant de le faire ensemble, de le faire ensemble. Et puis s'il y a des projets structurants, des services publics pilotés à une échelle plus importante, ben c'est l'agglo qui prend le relais. Et on en a besoin dans cette commune idéale, d'avoir une agglo idéale. La nôtre, j'ai le droit de vous parler, elle axe son développement sur la transition, les transitions numériques, énergétiques, humaines, et l'attractivité aussi, ce que moi j'appelle la séduction, parce que je n'ai pas le droit de dire le même mot. CF, mail de 10h33. Cette collectivité, pour moi, j'en connais pas là le président de l'intercommunalité, mais je vais en dire deux mots, elle est là pour pouvoir finalement concrétiser nos projets d'avenir, parce que je crois fermement, je vais le dire en une phrase, que nos territoires, tels qu'ils le sont, des communes intermédiaires, des villages, de la campagne, la proximité de la Seine, ce sont les territoires qui tireront leur épingle du chapeau sur le prochain mandat. Et je deviens, monsieur le sénateur, je suis convaincue que le prochain mandat, j'ai dit le mot, donc les bénévoles vont me taper sur les doigts, le prochain mandat, ce sera le mandat de ces territoires parce que nous avons le potentiel humain et parce que nous avons le foncier. Et la gloire sera à nos côtés pour pouvoir réaliser nos projets, c'est certain. Mais je ne citerai pas de projet, je ne vais pas tomber dans le piège, je vois arriver. Je ne citerai rien, en tout cas, je n'irai avoir cité quoi que ce soit. Et puis, si à un moment donné, il faut encore travailler à plus grande échelle, il s'agira de travailler sur les sur de la Seine, sur l'axe Seine. Et vous comprendrez pourquoi je vous dis ça, il faut aussi aller taper aux portes des ministères pour défendre nos dossiers. Je vous assure que c'est essentiel. Mais je n'en dirai pas plus. C'est l'occasion quand même pour moi de remercier les services de l'État qui sont à nos côtés, et là encore, Pascal s'en fera l'écho, mais aussi les services du département et de la région qui nous ont beaucoup soutenus. Je vous présente mes meilleurs voeux, et ça j'ai le droit, à tous ceux qui forment la ville idéale, pas encore vous, hein, pour rester sage, pas encore vous. J'ai envie de parler de tous les acteurs, les forces vives. Et je citerai en premier le monde associatif. Là, j'ai le droit de parler de vous parce que j'ai le droit de vous remercier. J'ai lu le mail, je suis sûre. J'ai vu qu'il y a des journalistes aussi, donc je fais attention. J'ai le droit de remercier les associations qui œuvrent au quotidien dans tous les domaines, caritatifs, festifs, sportifs, patriotiques, solidaires, culturels. Un mille merci à elles de créer du lien, de faire en sorte que les gens se parlent, que cette ville tende vers l'idéal, et puis qu'elle le fasse finalement au détriment de certains nombres d'heures passées avec leur famille. Donc moi, je tiens vraiment à les remercier et à leur tirer mon chapeau, et je peux parler au nom du conseil municipal en entier. Je voudrais aussi souhaiter mes voeux à tous les enseignants des écoles et du collège, mais aussi les enseignants des centres de formation, nous en avons deux sur le territoire, l'AFPI et le pôle céramique. Ces enseignants, c'est eux qui forgent l'avenir. Quand je vous parle que l'avenir est en nous, c'est avec nos enfants et nos petits-enfants. Et grâce à l'enseignement, les hussards de la République, ceux qui ont créé la République, nous allons pouvoir leur donner les moyens et la force de réaliser nos projets. Je tenais vraiment à les remercier. Et puis peut-être y associer le conseil municipal enfant, qui est l'angle jeunesse et qui aura beaucoup à faire. Mais je ne dis pas le mot mandat. Merde, j'aurais pas dû vous dire. ni ça d'ailleurs. Je continue. Je voudrais aussi remercier, ils sont nombreux ce soir, tous ceux qui représentent les forces de sécurité publique, gendarmerie, police nationale et municipale, ainsi que les sapeurs-pompiers qui œuvrent au quotidien aussi pour votre sécurité,
pour que vous soyez dans une ville solidaire, sécuritaire. Et je leur tire vraiment mon chapeau et au nom, je crois, de tout le monde, je crois qu'on peut leur dire aussi un grand merci. Je voudrais aussi remercier, ils sont là pour œuvrer sur une ville idéale, ce sont les commerçants, les artisans, les industriels, ils sont aussi là ce soir. Toutes les professions libérales, le monde agricole, extrêmement important pour nos communes regroupées, qui sont aussi gros contributeurs de la santé économique de notre ville. Et qui dit santé économique, dit emploi, dit solidarité, bien évidemment. J'y associerai les chambres consulaires de métiers, le commerce et l'industrie. J'y associerai aussi les associations locales, l'association des industriels de Port-Jérôme et de sa région, qui constituent nos relais indispensables pour bien connaître le territoire et tendre vers cette ville idéale. Je vais faire une parenthèse, appuyer aussi au personnel de santé. Ils sont nombreux ici. Nous n'avons pas de centre hospitalier, mais nous avons des professionnels de santé, médicaux, paramédicaux. Je leur tire mon chapeau parce que ce sera un enjeu extrêmement important pour nos territoires et pour l'avenir, c'est de pouvoir faire la part belle à ces professionnels de santé. Et quand je dis que notre ville devra être séduisante, c'est aussi pour attirer ces professionnels et c'est essentiel. Je voudrais enfin remercier l'ensemble des anciens. Moi, j'ai appris ça quand même pendant 6 ans. Pour pouvoir construire l'avenir, il faut savoir d'où on vient. Je tiens à remercier tous les anciens qui œuvrent dans les associations patriotiques, qui œuvrent au Conseil des Sages, que je croise dans toutes les associations, pour m'avoir appris cette commune, pour pouvoir transmettre les choses qui nous permettront aussi de continuer, peut-être, ensemble. J'ai du mal, hein, je vais me faire peur. Les services au dire tout le temps. Bien évidemment, je voudrais remercier l'ensemble des services, parce que si vous êtes là, j'ai parlé de la salle, mais au quotidien, ce sont bien les personnels des villes et de l'agglo qui œuvrent pour que vous soyez bien dans votre commune, dans cette ville idéale dont je ne citerai pas le nom, mais vous aurez bien compris finalement de quoi je parlais. Je voudrais aussi citer, peut-être ceux que je n'ai pas fait, mais toutes les personnes que je croise, depuis plus de 6 ans et certainement avant, qui sont vus d'un altruisme qui font que cette ville est agréable à vivre, qui œuvre pour les autres, aller voir son voisin, rendre des services. Toutes ces choses que l'on ne peut pas faire en salle publique, mais que vous faites. Ça aussi, ce sont des piliers de cette ville idéale. Eh bien, je finirai quand même, ils sont avec moi, ils le représentent ici, il y en a d'autres dans la salle, par mon équipe. Parce qu'une ville idéale, elle a besoin d'un maire idéal. Pas moi qui décide. C'était le fil rouge, alors je continue. Mais c'est quoi? Moi, je ne sais pas ce que c'est. Un maire, je ne sais pas ce que c'est, parce qu'un maire tout seul, c'est rien du tout. Donc, je voudrais vraiment remercier mon équipe, les élus d'aujourd'hui, qui sont ici, qui sont là, les élus des communes nouvelles, les anciens élus aussi, tous ceux qui nous ont permis de continuer cette action et qui sont présents au quotidien. Je tenais vraiment à les remercier, parce que je le dis, sans eux, je ne serais rien. Il y a 6 ans, vous avez osé me faire confiance. Ça, je peux tout dire que j'ai le droit de le dire. Vous avez osé me faire confiance, je vous en remercie. Je peux vous dire qu'au bout de 6 ans, il n'y a pas une seule journée où je ne me suis pas dit que j'avais besoin des autres pour pouvoir œuvrer dans ma commune. Pas une seule journée où j'ai rencontré des cas qui m'ont donné envie de me battre pour changer les choses. Pas une seule journée où j'ai eu envie de mettre toute mon énergie pour pouvoir œuvrer pour vous, pour l'intérêt général, qui que vous soyez dans la commune. C'est l'occasion de remercier aussi mes proches, mes enfants, il y a un petit parti qui est ici, parce que sans eux, je n'aurais pas pu le faire. Et ça me paraît essentiel, et je crois que tous ceux qui œuvrent pour la commune savent que c'est important que vos proches vous suivent pour vous donner l'énergie suffisante. Une énergie pour quoi? Pour dessiner un avenir serein pour nous. Et je ne citerai que quelques grandes priorités pour finir. Je crois qu'il va falloir penser en premier à la préservation de notre planète. C'est essentiel. Je crois que dans le cadre de la préservation de la planète, pour que chacun puisse en bénéficier, il va falloir œuvrer au local et ce sera aussi une question de pouvoir d'achat. Je crois qu'il va falloir se battre pour l'accès aux soins. Je crois qu'il va falloir se battre pour adapter nos services publics, pour que cette ville idéale s'adapte aux enjeux de demain. Je crois qu'il va falloir lutter fortement contre la précarité et l'exclusion.
Je crois qu'il va falloir aussi, Marie, se défoncer pour la formation, la reconversion professionnelle et faire en sorte que le territoire soit prêt. Et puis je crois enfin, et ça peut peut-être tout résumer, je crois au dialogue, au partage, à votre avis, à vos conseils pour pouvoir œuvrer ensemble à une commune idéale. Et je crois que c'est tous ensemble. Quand je dis qu'un maire n'est rien sans son équipe, moi je crois qu'une équipe municipale n'est absolument rien sans sa population. Et dans ce cadre-là, je souhaite à vous, vous avez vu, c'est un quart d'heure, une très très belle année 2020. Bien évidemment, je vous l'ai tous dit sous le signe de la santé, c'est essentiel. Je vous souhaite plein moments de joie, de bonheur, petits et grands, il faut savoir les saisir. On a l'habitude de dire que je vous souhaite beaucoup de réussite, mais moi je vous souhaite d'essayer. Je vous souhaite de tenter, de créer, d'imaginer. La réussite n'est pas une fin en soi. Je crois que c'est essentiel aujourd'hui. L'abbé Pierre le disait, n'attendez pas d'être parfait pour faire quelque chose de bien. Je vous souhaite encore une belle année 2020 dans notre conseil municipal et une bonne soirée où là je vais pouvoir dire tout ce que je pense. N'hésitez pas de mettre un pouce si vous aimez sur mes vidéos. Ça me fera plaisir. Allez, au revoir.